Et oui, bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session de Machine à Sous qui fait suite à la précédente partie Brick Snake 2000, une machine à sous très originale. Vous avez été d'ailleurs nombreux à aimer cette machine, donc pourquoi pas la représenter prochainement également. Donc là, je vais vous présenter une autre machine que je teste pour la première fois et qui m'a également été demandée par un fidèle abonné. Donc la voici, First of Destruction. Une machine à sous, voilà, au design original également, avec des personnages de représentés. Des jokers sur cette machine bien sûr et un bonus free spin si on découvre donc trois symboles free spin, donc on remporte des parties gratuites. Il y a également l'option d'achat de bonus sur cette machine mais on ne va pas l'utiliser, donc je pars de la balance de la précédente partie, donc 60 € et 1 centime, et je vais miser 40 centimes. Objectif, bah, espérer voilà une non perte déjà au minimum, mais au mieux espérer faire un bénéfice et pourquoi pas avoir le fameux bonus bien sûr. Allez, c'est parti, let's go pour cette première tentative sur cette machine. Avec un magnifique gain de 4 centimes pour commencer avec les 10. Et le symbole bonus est ici. Les rouleaux vont très vite par contre, donc on va prendre son temps. Le joker est ici, le wild. Symbole bonus, enfin c'est un autre symbole, alors je sais pas ce que c'est celui-ci, du coup c'est peut-être un multiplicateur, je vais pas regarder en détail. Voilà, une machine à sous aux allures de manga un petit peu, très sympa. Ah, le troisième. Dommage, c'était un leurre. Alors on a un gain quand même, donc c'est un multiplicateur. Et premier leurre de la partie. Avec ce bonus, bah encore une fois. Ah, on a un x4 ici. Ok, 1,60, d'accord. Donc on peut avoir donc les multiplicateurs représentés par les points. Donc pourquoi pas de jolis gains. Hors bonus également. Ah, deuxième tentative et deuxième leurre, dommage. Allez, il y aura d'autres tentatives. Alors, il y a une couleur différente ici. Donc, un provider de jeu qui ne me réussit pas forcément, hein, Oxo. J'ai vraiment du mal à faire des bénéfices. On en a fait quelques-uns, mais ça reste rare. Donc, peut-être que cette fois-ci, on va s'en sortir. Pour l'instant, ça démarre doucement, mais on en a tellement l'habitude. Mal placé. Ok, des petits gains pour l'instant. Ça va assez vite quand même. Ah, dommage. Deux derniers rouleaux. Alors, on a un gain ici. Ouais, petite connexion de 20 centimes. Alors ici, on a plusieurs gains. Ok, j'ai pas tout vu. 1,88, d'accord, bon, on prend. Voilà, pas mal de petits gains, hein, donc pas forcément une bonne chose non plus. Et les wild, voilà, peuvent être empilés. Donc s'ils apparaissent en début de rouleau, ça peut être pas trop mal. Et voilà, des rangées de multiplicateurs également. Possibilité de gros gains. Donc là, on a un petit gain de 20 centimes, dommage. Juste sur une ligne. Oui, on a un petit gain ici. Ouais, c'est vraiment pas fameux. 24 centimes seulement. Voilà, on a eu énormément de gains inférieurs à la mise pour le moment. Revenir hein, bien sûr, ce n'est que le début de la partie. Ok, pas fameux, beaucoup de petits gains pour l'instant. Ouais,
pas terrible, hein. Vraiment, j'ai du mal avec ce provider. Dites-moi, hein, ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai que souvent été en perte, peut-être pas joué au bon moment, hein, tout simplement, mais bon, il y a encore du solde quand même. Je peux me tromper. Dommage pour les wilds en fin de rouleau. Alors, on a un x2, ouais, mais ce sont que des valets, ça va pas être terrible. 56 centimes. Allez, on peut faire beaucoup mieux. À troisième tentative et troisième leurre, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Oui, donc là, c'est gagné, mais voilà, regardez-moi ça, ces petits gains comparés à la mise. Il y en a beaucoup trop. Ok, 80 centimes. Gain de 4 centimes. Aïe aïe aïe. C'est un peu dans la continuité des autres machines de ce provider. Beaucoup de spins perdants, mais beaucoup de spins avec des petits gains. Alors c'est vraiment la loi des séries sur ce provider. Est-ce qu'on va revenir? On a connu bien pire que ça. Alors x4, mais malheureusement une connexion de 10, c'est pas fameux. Bon, il y a eu un autre gain, mais c'est pas terrible. Mais on peut espérer avoir de gros gains. Ah bah tiens, on a un bonus. J'ai rien dit. On peut espérer avoir un gros gain hors bonus également. Bon bah c'est cool. Troisième tentative. Et donc troisième ou quatrième, je ne sais plus. Mais on a un bonus. On a remporté donc 10 free spins. Bon bah intéressant. C'est pas les bonus qui manquent sur les machines. Allez, à la Street Fighter un petit peu. Les machines. Alors pour l'instant ça va assez vite, il n'y a pas beaucoup de gains. Ah là on a des wilds, oula par 8, pas mal. Ok, un peu mieux et c'est un big win, alors j'ai vu pas mal de gains clignoter. Je pense que c'est un gain correct, 12,16€, pas trop mal. On peut faire mieux encore. Oula là, ça va très vite les rouleaux, pas le temps de réagir là. Et donc 12,44€, ouais, c'est correct, ça peut être mieux. Ça permet de revenir un petit peu, mais on est encore loin de revenir à notre solde. Des bonus qui payent pas beaucoup là ces derniers temps, malheureusement. Allez, on va chercher un deuxième, si c'est possible. Sans être trop gourmand. Vous voyez, hein, l'achat de bonus, ça peut être dangereux, effectivement. En général, c'est 100 fois la mise. Et là, on n'était pas remboursé du tout si on l'avait acheté. Allez, il y aura d'autres occasions peut-être. Alors, on n'a jamais eu des jolis bonus sur ce provider. De manière générale, c'était compliqué de faire même un x40 ou un x50. C'est généralement des petits bonus. Mais, qui sait, si on en avait un deuxième, on pourrait revenir. Alors, on a un x4. Ouais, petite connexion. 64 centimes. Oui. Ah, dommage qu'il n'y ait pas eu de multiplicateur. Allez, on tient quand même pour l'instant. Même si, voilà, on est parti de 60€ tout de même. Allez, pourquoi pas un big win hors bonus également, comme je vous l'ai dit. Concernant cette machine, oui, elle a un design plutôt sympa, mais sans plus. Allez, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Hein. On voit des wilds s'afficher, mais dommage, là, il n'y a pas de multiplicateur. Un petit retour. Voilà, c'est les montagnes russes hein, en ce moment. Une perte, une non-perte et un bénéfice. Là, c'est vraiment ça en ce moment. Dommage. Ah,
La balance qui s'écroule maintenant. Le bonus pas été flamboyant. Voilà, beaucoup de gains à 8 centimes comme on peut le voir. Ah, dommage. Ah, le wild n'était pas en totalité. Là, ça aurait été un joli gain. Et encore mieux si ça avait été un multiplicateur. Voilà, il n'y a pas toujours de multiplicateur, hein, comme on peut le voir. Oui, on a un gain ici, mais c'est pas multiplié, puisque c'est un point bleu, si j'ai bien compris. C'est le point orange qui multiplie. Allez, un deuxième bonus quand même. Ce serait dommage. Non, là il n'y a rien. Ah si, 20 centimes, ouais. Sauvé par le wild, mais ça aurait été bien d'avoir plus de dames au premier rouleau. Là, ça aurait été pas mal. Du coup, ça aurait fait 3 lignes complètes. 3 expansions. Et la balance là qui chute, malheureusement, c'est pas trop vite pour un bonus, mais j'y ai pas trop cru là. Donc j'avais joué sur une machine à peu près similaire, bah, du même provider, c'était exactement le même scénario, on avait eu un bonus. Mais il a été trop peu payant et beaucoup de speed perdant. Bah on en prend le chemin pour l'instant. Même pour une mise de 40 centimes. D'où les options, hein, qu'on peut voir, voilà, permettant d'avoir davantage de sens d'obtenir le bonus. Mais c'est beaucoup plus cher du coup, donc voilà. Et déjà c'est pas garanti, mais voilà, la balance peut vite s'écrouler. Donc là on n'a pas de multiplicateur, dommage. Et voilà, un petit gain final, on voit beaucoup de clignoter. Ouais, 1,20€, si je mise 1,20€, donc d'après ce que je vois, j'ai 5 fois plus de chances d'obtenir le bonus, mais ça fait peut-être un peu tard pour l'activer. On va le faire, on va le faire, on sait jamais, hein. De toute façon maintenant je sentais pas le truc. 5 fois plus, c'est énorme, sachant qu'on l'a eu tout à l'heure. Donc on va voir si ça va servir à quelque chose ou pas. On n'est pas là pour le vérifier, malheureusement, si c'est vraiment le cas. Pas l'impression, hein. Ouais, un petit gain ici. Ouais, bah, vraiment pas terrible du tout. On aura tenté dernière cartouche, mais malheureusement j'ai peur que ça ne s'arrête là encore une fois sur ce provider maudit. Ah bah en fin de rouleau, évidemment non. Bon bah probablement le dernier spin. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, hein, ça va beaucoup trop vite, on peut miser 30 centimes là. Oui, j'aurais pu miser 30 centimes d'ailleurs, comme par hasard je mise 30 centimes. Ah c'est pas vrai, donc c'est vraiment la poisse ce provider. Je diminue ma mise et on a un big win. Ah oui, de 2€, d'accord, je pensais que c'était plus de moi. Vous imaginez, en x8, on n'est que ce gain-là. C'est vraiment pas terrible du tout. Ah ben, bonus. Même pas. D'accord. Ça, la totale. Du coup, bah, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, 60 centimes, allez hop. Il va, c'est 20 centimes de base. Voilà, beaucoup de gains s'affichent, mais au final, un tout petit gain. Je réfléchis. Alors, 30 centimes. Et on va miser, alors 1,20€, pas tout de suite. On va miser 60 centimes et on va garder le spin à 1,20€ pour la fin. Qui
sera probablement le dernier spin de l'espoir et rien du tout. Ouais, catastrophe. Vraiment, pas en, vraiment, c'est un provider qui ne me réussit absolument pas au niveau des statistiques. Faudrait que je regarde, mais on a eu peut-être deux bénéfices sur la totalité des machines jouées. Mais malheureusement, voilà, ça fait partie du jeu. J'ai peut-être tout simplement pas de chance ou c'est vraiment le provider qui veut ça, quoi. Les bonus rares. En tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans cette vidéo pour savoir si vraiment j'ai vraiment pas de chance sur ce provider ou si c'est fait exprès, c'est peut-être plus compliqué que d'autres. Je serais quand même curieux de savoir parce que les autres, ça se passe plutôt bien en général. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi de m'avoir fait découvrir cette machine malgré cette perte encore une fois. Et on se retrouve très vite, voilà, en espérant que la chance revienne bien sûr sur une autre machine. Bonne journée à tous, bye!